Ne pas savoir où l'on respire, n'est-ce pas être déjà un corps glorieux? J'ouvris la fenêtre, je vis que dehors tout était dégoûtant, je me rappelais que j'étais en Chine. Au fait, pourquoi suis-je en Chine? Es-tu bien sûr, me dis-je, que les lecteurs de ton journal attendent chaque matin le cœur battant des nouvelles de messieurs Wu Peifu et Tsansolin? Un beau crime, Ménilmontant, l'emportera toujours sur une guerre dans la province du Tchéli, mon ami. De plus, ne sais-tu pas que 5000 cadavres n'ont pas la même valeur suivant qu'ils pourrissent à 500 ou à 20 000 kilomètres de Paris? Bah, un reportage est un reportage. Mesdames, Messieurs, la communauté d'agglomération de Vichy-Val d'Allier a choisi de faire de l'opération Planète Albert Londres son événement culturel majeur 2012. L'opération a démarré au début du mois d'avril avec l'inauguration de l'exposition itinérante à la rencontre d'Albert Londres en Terre d'Ébène. D'ici le mois de juillet, cette exposition sera visible dans 8 communes du territoire de la communauté d'agglomération de Vichy-Val d'Allier et du pays Vichy-Auvergne. C'est ensuite la source de l'hôpital de Vichy qui inaugurera le second volet de cette itinérance, consacré au voyage d'Albert Londres en Chine. L'exposition partira ensuite dans 9 communes du territoire pour fermer ses portes le 19 décembre à Aigues-Perses. À travers cette itinérance, la communauté d'agglomération affiche haut et fort sa volonté d'irriguer le territoire en soutenant des projets culturels forts qui permettent de renforcer son rayonnement et son attractivité. Planète Albert Londres, c'est aussi l'occasion, à travers la figure ô combien marquante du reporter né à Vichy, de mettre en avant le métier de journaliste et surtout ses valeurs, en rappelant le rôle prépondérant que joue la presse dans la démocratie. Il y a 80 ans, presque jour pour jour, celui que l'on reconnaît comme le père du reportage moderne disparaissait en mer dans l'incendie du Georges Philippard. C'était le 16 mai 1932. Albert Londres revenait alors de Chine. C'est ce jour symbolique que nous avons choisi pour vous annoncer une belle naissance, celle du campus Albert Londres. Cette naissance est le fruit d'une réflexion issue du schéma d'enseignement supérieur initié par notre agglomération dans le cadre de sa compétence. L'objectif est pour nous de fédérer l'offre de formation post-bac sur l'ensemble du territoire et la rendre lisible, bien identifiée. Nous parlerons désormais de campus Albert Londres. Ce campus a pour vocation de fédérer la dizaine d'établissements d'enseignement supérieur installés sur Vichy-Val d'Allier. Aujourd'hui, nous inaugurons la première signalétique de cet ensemble au pôle universitaire Lardy. Les établissements qui souhaiteront rejoindre le campus seront les bienvenus. Ce partenariat, sans lequel rien n'aurait été possible, est une démarche innovante pour Vichy-Val d'Allier, qu'il conviendra d'évaluer en son temps. De multiples partenaires, la richesse, la mutualisation de la diversité des compétences, des actions, des publics, c'est une belle aventure que nous vivons grâce à Albert Londres. À tel point, mesdames et messieurs, que je ne serais pas opposé, si la ville de Vichy en faisait le choix, bien sûr, et si le conseil communautaire allait dans ce sens, à ce que Vichy-Val d'Allier participe au fonds de dotation destiné à sauver la maison natale du journaliste qui a été mis en place par l'association Réagir. Enfin, je voudrais adresser au nom de tous mes plus vifs remerciements à Philippe Rochaud d'être des nôtres aujourd'hui, d'avoir délaissé l'actualité parisienne si riche aujourd'hui. Philippe Rochaud, les auditeurs de France Inter connaissent sa voix et les téléspectateurs de France 2 son visage. Philippe Rochaud, depuis une quarantaine d'années, vous êtes à l'image d'Albert Londres partout dans le monde, où il se passe quelque chose, au Liban, au cœur de la révolution iranienne, en Afghanistan, lors de la guerre irako-iranienne, à Berlin, lorsque le mur s'effondre, dans le sillon de Ben Laden traqué. Prix Albert Londres en 1986 pour l'ensemble de vos reportages sur le Liban. Personne n'a oublié non plus que vous avez été otage pendant 105 jours à Beyrouth. Vous savez mieux que personne ce que signifient les risques du métier de journaliste.
Philippe Rochaud, vous avez toute votre place aujourd'hui pour cet hommage à Albert Londres. Merci à tous et longue vie au campus Albert Londres. Pour moi, c'est un honneur et une fierté de venir sur les traces d'Albert Londres ici, dans cette ville, et surtout d'inaugurer avec vous ce campus universitaire qui porte son nom. Quand on est jeune journaliste, on est évidemment fasciné par Albert Londres. On cherche à suivre ses traces. C'est un modèle pour nous, un modèle de reportage. Alors jusque-là, je dois dire que je n'ai pas été déçu puisque j'ai pu aller dans toutes les régions où Albert Londres est allé. Je suis allé au Moyen-Orient, j'ai couvert pendant une quinzaine d'années tous les conflits de la région. Je suis allé dans les Balkans, je suis allé en Afrique aussi sur les traces d'Albert Londres. Mais il me manquait quand même un élément, c'était la maison natale d'Albert Londres. Et bien aujourd'hui, ce manque est comblé puisque j'ai pu passer tout à l'heure devant la maison natale d'Albert Londres. Et donc c'était quand même avec une certaine émotion de savoir que l'homme que j'admire tant et pour lequel j'ai essayé de suivre un petit peu les traces, habite ici et que je vais pouvoir évoquer un peu notre métier, sa mémoire, tout à l'heure avec vous. Merci beaucoup. Merci.